Je lis dans le livre l'Apocalypse, chapitre 13. Nous entendons pour avoir notre roi, le roi Jésus. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fit donner une bouche qui prospérait des paroles arrogantes et de blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les ciels. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Et tous les habitants de la terre, pardon, l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit deux avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. J'ai lu encore ici, toujours dans Apocalypse chapitre 14, je commence au verset 4. Non, 9, pardon. Laisse-moi avancer un peu à cause du temps. Je lis dans 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Verset 100 mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, douze, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, c'est-à-dire de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni, lui qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Créateur, Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu vivant, l'Éternel Dieu des armées, les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Bon dimanche chez vous. Bonjour, nous sommes dans la joie pour venir ensemble avec vous ici dans ce lieu que le Seigneur a préparé pour nous. Quel est ce lieu? Là où il y a le sang.
Parce qu'il a dit, quand je verrai les anges passer au-dessus de vous, souvenez-vous du temps de Moïse, c'était les anges qui épargnaient quand l'ange de la mort frappait en Égypte. L'ange de la mort est là. C'est pourquoi nous avons voulu parler de ces choses afin que les gens puissent se préparer. Parce que Dieu a mis à notre disposition, à la disposition de tout un chacun de nous, la mort et la vie. C'est à nous de choisir. Du côté de la mort, il y a les ténèbres. Du côté de la vie, il y a la lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de la parole qui est Christ Jésus. Souvenez-vous, il a dit, je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui seul, la lumière du monde. Vous vous souvenez l'autre fois, comment commencer ce sujet ici, mais avant cela, si vous nous suivez très bien, de la manière dont nous avons commencé ces enseignements ici, depuis que nous avons pris d'abord que chaque semence se reproduise selon son espèce. Là, nous avons pris Genèse chapitre 1, verset 10, 9 à 13. Oui, c'est ça. Et après cela, nous avons passé par la semence du serpent, dont nous avons parlé de beaucoup de choses, le commencement, la malinterprétation des écritures et la semence du serpent. Nous avons pris plusieurs écritures qui sont là-bas à votre disposition. Tout est là-bas. Nous ne sommes que des instruments du Seigneur pour vous qui aimez le Seigneur. Quand il nous dispose et nous venons ici comme des instruments, à nous, il n'y a absolument rien. C'est le Seigneur qui dispose. Je suis un homme né dans les péchés, né dans l'iniquité, conçu dans le péché, vous comprenez. Donc, comme David disait, c'est mon père David qui le disait dans Psaume 51. Donc, c'est lui qui a voulu que la vérité soit au fond de mon cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est cette vérité-là, je ne peux pas cacher ça. Nous allons venir ici partager ça ensemble avec vous, afin de recevoir la vie, la lumière, qui est la puissance de Christ, notre roi, parce qu'il a été dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, ce n'est pas le sang chimique, c'est la parole bien interprétée. Ouais. C'est pourquoi nous venons ici pour parler de ces choses, afin que nous puissions prendre position à la parole. Il n'y a plus du temps, bien aimé. C'est vous comprenez? Vous tous qui êtes partout, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la guérison, les bénédictions vous accompagnent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, ceux qui sont malades, partout où vous êtes au Congo, tous les deux Congo, nos chers Congo, nos chers Gabon, nos chers bien-aimés de Mali, je vous aime tellement, ceux qui sont au Cameroun, partout là-bas, donc dans nos pays francophones, pourquoi même pas dans nos pays anglophones, il y a d'autres qui écoutent français. Voilà, donc le temps est là, et nous sommes là. En chevauchant, donc cela veut dire en montant, en descendant, en prenant l'antichrist, marqué de la bête, nous parlons de la chronologie biblique et toutes ces choses-là. Vous gagnez du temps. Souvenez-vous, comme nous avons dit, que le troisième ange est là. Et ce troisième ange, quand il est venu, il n'est pas venu là-bas pour contempler le mal qui est ici, avec cette atmosphère du péché dont nous avons. Pourquoi on parle de l'atmosphère du péché? Les gens voient simplement les femmes qui s'habillent mal, des choses sales qui se font, de l'impureté, toutes ces choses, des tueries, de la jalousie, de la haine. Mais toutes ces choses-là, ce ne sont que des attributions du péché. Parce que le véritable péché, c'est la malinterprétation des Écritures qui a commencé dans les jardins d'Éden. C'est là où que le diable a commencé avec l'Église de Dieu dont Adam fut le prophète, qui avait l'ainsi dit le Seigneur, mais il a écouté son église qui était sa femme et la race tout entière. Mais Christ est venu pour payer le prix d'expiation. Mais remarquez, avant que Christ puisse venir, nous avons vu que le premier ange était venu, parce que je viens de mentionner le troisième, mais le premier ange était venu. Mais quand le premier ange était venu, c'était dans quel moment? C'était dans la première dispensation. Quand des générations, si vous comptez, c'était premier depuis, après Abel qui fut
passé comme un agneau, il a été tué par Caïn. Nous avons vu que de Seth juste à Enoch, au temps de Noé là-bas, c'était 7 générations. Si vous lisez dans la chronologie biblique, vous allez voir, il y a 7 parce qu'à cause du temps, vous ne pouvez pas tout lire, mais si vous lisez ça là-bas, dans Genèse, vous allez voir ça, la postérité d'Adam. Ouais. Vous allez voir que de 7 jusqu'à Enoch, donc ça veut dire 7 générations. Et quand on est arrivé à Enoch, Enoch était retourné dans la maison sans passer par la mort. C'est le type de l'église qui part dans l'enlèvement sans passer par la mort. Nous allons parler de ça très clair quand nous allons parler de l'enlèvement en détail. Parce que les gens font beaucoup de confusion. Ça a eu lieu, ça n'a pas encore lieu, ça aura lieu, ainsi de suite. Voyez? Et quand ce temps-là s'est accompli, nous avons vu qu'Enoch qui marchait selon l'insidie de l'Éternel, chaque pas de sa vie, c'était la parole. Il ne péchait pas. Il a été pris, comme nous disons en anglais, taken away. Ouais. Donc, it's been taken away in rapture. Enoch went up. Ouais. Et maintenant, Noé était resté. Il a passé par la tribulation, le type digne des églises. Ouais, le type des églises. Quand je parle de type des églises, comprenez donc, cela veut dire les églises qui se sont naturalisées. Et ils croient que Dieu peut être naturalisé. Ouais, c'est pourquoi nous disons que non, ces églises dont nous nous faisons, c'est bien pour communier. Mais nous ne pouvons pas faire de cela comme c'est là où Dieu est. Dieu est là où la parole est bien interprétée. Si la parole est mal interprétée, Dieu n'est pas là. Et si vous comprenez. À chaque fois quand nous venons ici, nous insistons sur la parole. Pourquoi? Parce que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, celle, la parole, Christ, Jésus, dont tous nous nous prétendons aimer et servir, invoquer et implorer. Voilà. Donc, voilà. Mais, quand on dit souvent ici que non, nous faisons des choses illusoires, à cause de quoi? Parce que les gens, ils ont des Jésus, des noms, Jésus, des slogans, mais pas la vie. Or, la vie vient de la parole. Si vous comprenez, Jean 1 l'a dit clairement. Pour que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu, nous devons devenir des paroles. On a parlé de ça ici, quand on parlait des trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, que le feu ne les pouvait pas les consommer parce que la parole créatrice qui a créé le feu, cette parole qui est la colonne de feu, elle est elle-même le feu, Christ, la loi de la lumière qui était sortie de Dieu au commencement, dont l'Éternel a créé le ciel et la terre par elle. Lui, le feu, la colonne de feu, Jésus-Christ. Remarquez quand il disait aux pharisiens, il a dit que non, ciel et la terre dont le Père a créé par moi, c'était lui. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire, quand les gens lui interprètent mal, les gens sont égarés, sont éloignés de lui. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous venons ici, nous essayons au moyen de ces réseaux sociaux dont nous entrons dans cette quatrième dimension pour atteindre vos maisons, pour atteindre partout où vous êtes dans vos voitures, ainsi de suite, afin de parler de ces choses, afin que vous puissiez prendre position en Christ. Vous voyez? Comme ce dimanche, Jésus vous attendait des bruits ici, par-ci, par-là. Veuillez nous comprendre parce qu'on a débuté un peu en retard. Il y avait certaines raisons, même des raisons de santé. Si vous me voyez se tenir, en tout cas, rendons gloire à Dieu, je ne me sentais pas vraiment bien. Il y a cela, je peux dire même une semaine. Donc, voilà. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a fait en sorte que je puisse me tenir ici. Vraiment, je loue Dieu. Merci. Alors, nous avons vu que sur les trois malheurs, les trois anges qui étaient descendus pour frapper la terre avec ces trois malheurs, nous avons compris que non, le premier malheur c'était au temps de Noé. Vous comprenez la destruction en terre de Livienne. Vous comprenez cela, c'était quoi le déluge dont nous tous nous connaissons. Ouais.
Pourquoi est-ce que Dieu a frappé la terre au temps de la destruction en terre d'Élivien, au temps de Noé qui était passé au-dessus de eaux? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est la tribulation. Nous allons parler de ça. Donc, avançons un peu. Pourquoi Noé a passé par la tribulation alors Enoch n'a pas passé par la tribulation? Parce que Enoch était le type de l'épouse du Christ qui a reçu la révélation de la parole. Vous voyez? Comme Jean le divin nous dit ici dans Apocalypse chapitre 1, en commençant au chapitre 1, la révélation du Seigneur Jésus-Christ donnée à son serviteur Jean le divin. Ouais. Donc, quand vous recevez cette révélation, non par la connaissance de la lettre, non par les études de la lettre. Vous comprenez quand je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'instituts pour étudier la lettre. Ça, c'est la lettre. Vous voyez, quand Paul disait à Timothée et aux autres, il disait que la lettre de Paul O, la lettre de Paul O, la lettre de Paul A. Vous comprenez cela? Parce que ça, c'est la lettre que le Seigneur nous écrit au travers de ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, dont nous avons reçu cette ce cœur dont nous avons. Ce cœur, c'est la foi, comme Malachie 4 le dit. Le cœur de père vers le fils des enfants. Le cœur des enfants vers le père. Vous comprenez? Et nous avons vu que Noé, il a passé par la tribulation parce qu'il n'avait pas reçu la totalité de la révélation de la parole, comme Enoch. Ouais, mais il fut un prophète de Dieu. Ouais. Donc ça veut dire, la marche d'Enoch, chaque pas de sa vie, il était le type de l'épouse parole qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit. C'était ça Enoch. Et c'est le type parfait de ce temps lequel que nous vivons. Voilà comme nous avons vu celui qui se tenait au milieu de sept chandeliers d'or. Et dans chaque chandelier, il y avait une étoile. Nous avons parlé de ça, si vous vous souvenez ici. Ouais, vous vous souvenez de ça. Donc, parmi les sept chandeliers, il y avait sept étoiles. Chaque chandelier représentait chaque église. Et chaque église représentait chaque époque de la manifestation des choses qui se sont passé ou se déroulait depuis les événements des apôtres jusqu'à ce moment où nous sommes. Et quand vous lisez, vous allez voir que non, selon la chronologie biblique, ces histoires-là ne se sont pas passées, déroulées en même temps au temps de l'apôtre Paul, soit au temps des saints apôtres, non. Donc ça veut dire, quand on parlait de l'âge de l'Éphèse, c'était au temps de Paul, et puis ça avançait jusqu'à ce temps ici. Et maintenant, l'épouse qui a reçu la parole, les chrétiens qui sont nés de la parole, les chrétiens qui sont devenus des Christ, qui sont devenus des épîtres lits, eux, ils prennent la position comme Enoch. Ils n'ont rien à voir avec la tribulation de ce monde. Et si vous comprenez, parce que ils se sont mis à part de quoi? De ce qu'ils ont reçu. Et cela fait en sorte que leur socle est formé de quelque chose de surnaturel pour revêtir l'image du surnaturel lui-même qui est Christ, le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous avons vu que non, le premier ange, après les deux millénaires, a frappé avec le déluge la destruction en tête de rivière. Nous avons vu que non, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Mais après cela, nous avons vu que non, Dieu a fait cela à cause du péché. Pourquoi? Parce que on a bafoué toujours l'ainsi dit l'Éternel dans Genèse chapitre 6. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, les enfants, le fils de Dieu, se sont mariés avec les filles des hommes. Dans des mariages de belles peurs. Et nous avons vu que les filles de Dieu, ils étaient prises par des fils des hommes, ça veut dire les fils de Caïn, c'est qu'ils étaient sortis de la descendance de la semence du serpent dont nous avons parlé ici. Ouais. C'est qu'ils étaient sortis de cette semence du serpent, ils ne pouvaient pas se marier avec les saintes de Dieu, les filles de Dieu, nées de la parole, vient de la descendance de Seth, d'Adam.
Vous comprenez? C'est ce qui a suscité la colère de Dieu, a fait en sorte que Dieu a frappé. Mais il a épargné Noé. Pourquoi? Parce qu'il était juste et il marchait selon la parole. Vous comprenez cela? Et c'est ce qui a fait en sorte que quand ils étaient sortis, nous avons vu que le péché est entré encore par qui? Par Cham. Or, Cham, c'est le type des nations. Le premier né de fils de quoi? De Noé, pardon. Ouais. Donc, Cham, il représente nous, les gens des nations. Le péché est entré au moyen de Cham. Nous avons dit que non, Noé avait trois enfants qui ont formé toutes les races de la terre dont nous sommes ici. Nous sommes sortis de trois enfants de Noé. Cham, c'est nous, les gens des gentils, les gens des nations, Batamabota, comme on dit à Lingala. Moni Batamabota. Et nous avons vu que non, il y a Sem, qui est les Samaritains, qui se sont répandus partout dans le monde, et Japheth, qui sont les Juifs. Ouais. Ils sont la race pure de Dieu. Et nous avons compris que non, en lisant ici, comme nous venons de lire Apocalypse chapitre 13, nous avons vu cela se rassemble, comme nous avons dit, que cette Bible ici ne se contredit pas. Les Écritures, les Saintes Écritures ne se contredit jamais. Oui. Ce que Jean le divin a vu au ciel, ici, quand l'ange lui parlait, quand il était ravi au ciel, il était enlevé, si nous pouvons dire ça en quelque chose. Il était enlevé, parce qu'il y a d'autres visions que Dieu peut permettre à ce que vous puissiez être enlevé. Oui. Mais sauf que les gens aujourd'hui, ils sont devenus trop mensongers, donc... On va parler simplement de ça. Avançons. Et nous avons compris que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons compris que la même chose dont Jean nous parle ici, quand il était ravi, quand il était enlevé, Daniel nous les en a parlé ici dans chapitre 7, dans le livre de Daniel, en situant ce bête, ces quatre bêtes. Et leur nature, l'autre qui était comme un ours, lion, léopard, et l'autre qui était bizarre, il était extraordinairement fort. C'est la bête-là dont nous lui avons vu monter des eaux. Vous voyez? Donc, monter des eaux. Cette bête qui dominait sur la nature tout entière. Parce que quand on parle des eaux, cela veut dire de nombrer, de foule. Il avait la prééminence sur tout être sur la terre. Et nous avons lu ici, dans Apocalypse chapitre 14, de ceux qui ont reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Pourquoi? Parce que si vous ne recevez pas le sceau du Saint-Esprit, sache que la marque de la bête est là pour vous. La marque de la bête a commencé comment? Parce que nous avons parlé de cela en Genèse, et là où nous avons parlé que non, ça a commencé dans les jardins d'Éden. Mais après un certain temps, nous avons vu que non, le deux millénaires, Dieu a détruit le monde par l'eau, afin qu'il puisse sauver l'homme qui croyait en lui, qui prêchait pendant 120 ans, les gens lui ont rejeté. Ils ont parlé que ce vieux ici, il est malade. Nous ne pouvons pas lui écouter. Parce qu'il dit que la pluie va tomber sur la femme. Qui va venir du ciel, c'est pratiquement impossible. Et c'était des gens qui étaient très intelligents, ces gens-là. Vous comprenez cela? Donc, c'était des grands scientifiques au temps de Noé. Et ils ont fait leurs études, ils ont compris qu'il n'y a rien là-bas. Mais ils ne savaient pas que non, Dieu, la science de Dieu est contraire à nos sciences ici. La science, la technologie dont nous avons est limitée, mais celui de Dieu est illimité. Et soudain, la pluie a tombé seulement si dit l'Éternel et ils étaient tous péris. Remarquez, quand Jésus parle de ce temps ici, il donne aussi l'exemple du temps Noé, du temps de Noé, le prophète, et le temps de Sodome et Gomorre, quand Elohim était venu rencontrer Abraham dans la chair humaine. Vous comprenez? Vous devez rencontrer Elohim dans la chair humaine. Vous comprenez? Pour recevoir la plénitude de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alors, nous avons compris que non, le premier 2000 millénaires, vous comprenez, 2000 ans, le premier 2000 ans, il y avait le déluge. Le deuxième 2000 millénaires, donc 4000 ans après, Christ Jésus était venu.
pour payer le prix. Et aujourd'hui, nous vivons le 6 millénaire qui est accompli depuis que le Seigneur était mort, enseveli, il ressuscité, il est monté, il est revenu. Vous comprenez? Donc, il y a 2000 ans. Quand les 2000 ans s'est accompli, Christ est descendu dans l'Apocalypse 10. Nous avons, vous souvenez, quand nous avons parlé de ce sujet ici, que nous avons pris, nous nous sommes arrêtés là, quand nous avons parlé que non, l'agneau quitta le trône. Et quand il a quitté le trône, l'un des 24 veillards, il ne lui a pas appelé l'agneau. C'est Jean le Divin qui l'a appelé l'agneau. L'un des 24 veillards lui a appelé le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il descendait pour réclamer, pour prendre en possession ce dont il a payé le prix pour eux. C'est vous comprenez. Et nous avons arrêté là-bas. Nous avons lu simplement pour aller au chapitre 10, mais nous n'avons rien interprété. Ouais. Quand il descendait avec un petit livre ouvert, parce qu'il était dit d'ouvrir ce livre qu'il a pris dans la sainte main du Père éternel, de celui qui vit au siècle des siècles, d'éternité en éternité, de génération en génération, d'âge en âge. Quand il a pris le livre, parce qu'il était dit, et il a ouvert le livre. Et quand il est descendu ici sur la terre, il a trouvé son épouse qui était pire, sans tache, ni rien de semblable. Ouais. Ni rien de pire, ni rien d'essuyer, et il a divulgué les sceaux par elle. Voyez, comme Amos nous dit, Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes, comme Apocalypse chapitre 10, versets 6 à 7, nous dit. Le septième ange, la septième étoile, le septième œil, quand il sonnera de sa trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Ce sont ces mystères-là qui étaient scellés de sept sceaux dans ces livres. Ici. Vous comprenez ça? Que le Christ est descendu, le livre de la révélation. Maintenant, nous nous sommes arrêtés. Nous n'avons rien expliqué là-bas. Nous avons dit simplement qu'il est descendu. Et quand il descendait, c'est lui, Shiloh, dont les gens lui laissent là-bas au ciel. Ici, je ne sais pas qui est-ce que vous adorez. Parce que si vous adorez un Dieu qui n'est pas avec vous ici, sachez que vous êtes des idolâtres. Vous adorez des statues ou soit un Dieu imaginaire. Le Dieu que nous devons adorer devait être au milieu de nous. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Vous comprenez? Christ, cela veut dire que la parole est bien interprétée, il est là, présent. Et nous avons compris que non. Qu'est-ce qui a fait en sorte que non? Ce qui a provoqué la colère de Dieu dans la Genèse, Dieu a frappé, des millénaires après le déluge, des millénaires après, nous avons vu que Christ est venu. Mais la terre étant aussi une créature de Dieu, quelque chose plus agréable que Dieu a créé, son œuvre à lui, Dieu a passé la terre dans le baptême de ceau, qui est quoi? Le déluge. Le sang de Jésus, c'était la sanctification de la terre. Donc c'est cette troisième étape de la grâce dont nous nous parlons toujours. Parce que c'est ça le but à laquelle que nous venons pour prêcher ici. Que vous puissiez pas monter ces trois marches selon la vision de Maman Ella. Vous comprenez? Donc jusqu'à arriver aux troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit, afin de recevoir les sceaux de Dieu. La marque de Dieu. Si vous ne recevez pas ça, vous allez recevoir la marque de la bête. Parce que nous allons lire ça ici. Nous avons lu ça ici dans chapitre 14. Bien que je n'ai pas lu, mais vous pouvez lire ça, chapitre 9, je n'ai pas terminé, chapitre 9 chapitre 14, pardon, verset 9, oui, c'est là que j'avais lu, c'est ça, chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 13. Voilà, merci. Vous allez m'excuser. Alors, nous avons compris que non, quand l'Église est entrée dans l'âge sombre, quand Christ a quitté sa première étoile ici, dans la première époque ou âge, soit première ère de la Bible, nous avons dit que quand il a quitté ici, il est venu dans la deuxième ère. Ici, l'Église est entrée dans l'âge sombre. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 2, vous allez voir la manifestation de ce qui s'était déroulé, de ce qui s'était passé dans chaque âge. On prenait les chrétiens dont nous avons lu ici.
D'abord, les chapitres 13 et 12 qu'on les persécutait. 13 d'abord, le précise très bien, même 17. Ouais. On les prenait, on les faisait mourir dans les bichets, on les mettait là-bas et puis on met quatre animaux féroces attachés ici aux pieds et puis les animaux, c'est en train de les tirer avec leur force. Vous connaissez la force de la bête plus que la force d'un animal. On peut prendre votre main ici comme ça, un bifle là pris comme ça, de l'autre côté bifle, quatre bifles et puis il vous tire comme ça et puis vous déchire. Vous comprenez donc, et puis vous mourrez. C'est ce qui s'est passé dans ces temps-là. Les chrétiens qui étaient dans ces temps ici, dans des âges comme qui se sont suivis, ouais, Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre, au début du chapitre 3, dans tous ces âges-là, vous allez voir que non, c'était ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces âges? Nous avons compris que non, il y avait un système qui règne aujourd'hui. Donc, nous ne cessons jamais de le dire. Parce que quand nous venons ici pour parler de la marque de la bête, de la chronologie biblique, les gens font allusion simplement à une seule église. Beaucoup de gens qui sont dans des églises pentecôtistes, dans des églises de réveil, dans des témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Mais, or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas simplement l'église catholique comme vous faites allusion. Non, c'est toutes les églises. J'ai fait exception de rien. Vous comprenez? Je dis bien toutes les églises. Voilà. Pourquoi? Par une malinterprétation des Écritures que le diable a voulu depuis Éden. Qu'il a commencé ça depuis Éden. Et aujourd'hui, comme il a voulu être adoré, prendre la place du Christ, être le 13e apôtre, par la manifestation de sa bête, vous comprenez? Qui était montée des eaux. Ouais. Qui est assis sur les sept montagnes. Alors que nous avons vu que la manière qu'ils ont commencé tout au début ici, nous allons nous arrêter là-bas, en expliquant ça dans la chronologie. Vous allez voir que de la manière qu'ils ont commencé tout au début, c'est ce que toutes les églises l'ont fait. Toutes les églises ont copié. Ils ont imité. L'imitation vient du diable. Vous comprenez? Je sais que quelqu'un peut me dire là-bas, mais l'apôtre Paul nous a dit que non, soyons les imitateurs de Christ. Oui, nous devons être des imitateurs de Christ, mais pour ne pas rester simplement imitateurs, là, le diable va prendre vous en possession. Vous comprenez cela? Parce que l'imitation, c'est sa nature. Il a commencé ça depuis le ciel. Donc, quand Paul disait ça, parce qu'il savait que ici, c'était le premier ère, la première ère, le premier âge. Donc, cela veut dire qu'il savait que non, ici, c'était comme la justification. Vous allez monter jusqu'à arriver au septième. Selon même la chronologie biblique, nous avons vu que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le septième jour, ici, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Il a sanctifié le septième jour pour le repos. Et pour nous, fils et filles de Dieu, le septième jour qui est le repos ici, c'est nous nous reposons de tout ce qui est contraire à la parole pour recevoir le sept qui est le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Et il vient pour habiter. Vous comprenez? Prendre la prééminence, oui. Donc, demeurer. Vous voyez? Ici, dans chiffre 7, après avoir passé tout ici, c'est pourquoi Christ, il est descendu dans l'Apocalypse chapitre 10. Ici, pour demeurer, être incarné d'abord dans son épouse, dans les prophètes, et puis dans le corps de Christ entier qui suivent sa parole sans mélange ou quoi que ce soit, comme c'était au commencement ici. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que non, si l'Éternel a créé pendant 6 jours, s'est reposé le septième jour, donc c'était ça, enfin que Christ, qui est lui-même le huitième, vous comprenez, l'ange marqué, chapitre 10 d'Apocalypse, qui dit que non, je vis un autre ange puissant qui descend du ciel, c'est Christ, le lion de la tribu de Juda, le huitième. Comme nous avons vu, lui aussi, la bête, comme il est un imitateur, on a dit que non, les sept rois. Ouais. Donc, comme nous avons lu ici dans le chapitre 13, les sept qui étaient là-bas, qui donnaient leur pouvoir
au quoi à la bête, au dragon. Mais nous avons le huitième, c'était lui-même le dragon, qui le diable, qui voulait toujours se comparer à Christ. Et pourquoi il blasphème, l'abomination, la prostitution? Pourquoi? Parce que cette église-là censée être l'épouse de l'agneau, l'épouse du Christ. Il a rejeté le mariage, il est allé faire la prostitution, mais avec le nom de l'époux. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est une femme infidèle. C'est pourquoi la Bible parle de la prostitution, de l'impureté de sa prostitution. Vous comprenez cela? Et maintenant, retournons là-bas. Quand le cercle des apôtres, c'est là où je vais terminer, puis nous allons continuer dimanche prochain, à cause du temps. Nous avons compris que non, quand le cercle des apôtres, premier cercle, deuxième, troisième, je pense, un troisième, quatrième cercle des apôtres, et nous avons compris que il y avait un apôtre qui était parmi eux, son nom était Nicolas. C'est là où, quand nous avons lu d'Apocalypse chapitre 2, lisez ça au complet, vous allez voir la doctrine de Nicolas. Et je pense que dans l'âge de Pergame, je ne suis pas oublié. Je m'excuse. Et nous avons compris que non, cette doctrine de Nicolaïte qui veut dire conquérir les laïcs. Vous voyez, donc prendre la domination de ceux qui témoignent le nom de Jésus, qui élèvent le nom de la parole. Pour essayer un peu de mal interpréter ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Un concile, si on veut dire, c'est une grande organisation. Ils se sont réunis, tous qui étaient comme des grands des prêtres dans ces temps-là. Ils se sont réunis ensemble avec Nicolas, comme on dit en anglais, ouais, de Nicolaïen. Et ils sont réunis ensemble avec lui pour créer cette doctrine-là des Nicolaïtes. C'était dans le 4e siècle des apôtres. Quand les autres sont disparus, ils sont morts, ils ont retourné à la maison. Et c'était dans les âges de persécution ici, dans cette époque-là. Dans les âges sombres de l'Église. Et quand ils se sont réunis là-bas, ils ont créé cette doctrine. Et ils se sont dit que nous allons créer qui ne sait les prières, que cette prière-là, ça soit une prière universelle. Tout le monde va commencer à prier que cette prière-là. Vous savez, les prières-là qui a commencé, là où on parlait de toutes ces choses-là, vous comprenez? Ils ont essayé même de modifier la prière de notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, mais ils n'ont pas pu parce que c'est l'original. Ça sortait de Dieu dans la chair humaine. Christ, Jésus, le Fils de l'homme qui veut dire le propriétaire de la terre. Alléluia. Vous voyez, ce que lui il a prononcé, notre Père qui est au ciel, ça veut dire, ils ont essayé de modifier ça ici. Ils n'ont pas pu. Vous comprenez? Ils n'ont pas pu le modifier à cause de quoi? Parce que c'était l'original. C'est ce que nous amenons ici. Et nous avons vu qu'ils ont créé notre prière ici tout au début et ils ont pris Pierre qui fut comme le premier pape. Donc cela veut dire quoi? Ils ont changé cette doctrine qui était comme des gens des nations. Donc cela veut dire... Donc ça veut dire une doctrine païenne et ils vont changer ça donc ça veut dire une doctrine papale. Je vais expliquer les mots après. Voilà. Et maintenant nous avons compris que non, quand ils ont formé ceci, et cela a fait en sorte que non, on a commencé à prier des prières en levant le nom de Jésus, Maria le Sacro, ton dit Gracia, donc. Marie, la mère de Dieu, vous connaissez toutes ces prières-là et tout ça. Et ça, voilà. Vous vous souvenez, moi, j'oublie mon français, vous allez m'excuser. Voilà. Et ce grand empire romain qui a l'autorité, le pouvoir, la prééminence jusqu'à aujourd'hui parmi toutes les nations sous soleil. Il a encore sa position et sa force jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes les églises font les choses comme lui, il a commencé ici. De s'organiser, de faire en sorte que non, les gens puissent venir ici, amener tout ce qu'ils possèdent ici à l'église. Et vous allez voir que nous, l'église construisait de beaux bâtiments partout. Ils ont commencé à faire ça ici. Et vous allez remarquer que les églises construisent de beaux bâtiments, de gros
ensembles, des gros ensembles partout dans le monde, ils ont suivi ces modèles ici. C'est pourquoi je vous ai dit que dans toutes les églises, parce que j'ai des biens, Frère Branham dit, Dieu a des enfants partout, dans toutes les églises. Mais avant que ces gens-là puissent retourner à la maison, ils doivent reconnaître leur position, non pas dans toutes ces églises, mais en Christ. C'est pourquoi il a dit que dans les derniers jours, l'épouse parlera les seuls langages. Ce ne sera pas le langage des tabernacles, des pasteurs, non. C'est le langage de la parole qui fait en sorte que non, on ne peut pas se mettre des limites. Moi, je crois comme ça. Nous, notre doctrine, nous, nous sommes des panthéons, nous sommes des églises d'eux, nous, nous sommes des assemblées, nous, nous sommes des binitaires, des trinitaires, ainsi de suite. Ça, c'est diabolique, ça a commencé ici. Ouais. Et Saint Empire, nous avons compris que non, ça a commencé avec Constantin, qui était quoi? L'argile. Parce que la statue dont le prophète Daniel a vu et a donné l'interprétation par le songe dont le roi a eu. Quand le règne des nations, des gens des nations ont commencé, le règne des Cham ont commencé. Vous comprenez? Quand cet règne a commencé, les gens des nations ont commencé, quand les Juifs, ils ont quitté l'esclavagisme pour venir faire quoi? Et quittant leur pays, ils étaient comme des esclaves en Babylone. Et si vous lisez l'Apocalypse chapitre 17, que nous allons lire, dimanche prochain est terminé cet enseignement, vous allez voir que cette grande Babylone n'est pas simplement aujourd'hui, mais elle a commencé ici par le règne des nations. Nous, les gens des nations qui adorent les idoles, qui adorent des créatures. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Cela ne s'est pas trouvé avec les Juifs. Japhet ne peut pas faire ça. Nous allons lire ça ici. Et nous avons vu que cela a commencé ici durant le règne du roi Nebuchadnezzar et Belshazzar. Vous comprenez? Et c'était ici. Nous avons parlé récemment ici que non, quand Daniel avait interprété les songes du roi, on a élevé Daniel, on a fait une statue pour que les gens puissent adorer Daniel là où ses trois compagnons, ses trois frères, savaient que celui-ci, c'est notre frère bien-aimé. Il est le saint prophète de Dieu, mais nous ne pouvons pas lui adorer. Vous comprenez, comme les gens qui adorent les prophètes, à chaque fois qu'il y a un prophète qui vient et manifeste la grandeur et les œuvres de Dieu, après, quand cet homme part, il est devenu Dieu. C'est partout, on peut citer ça ici. Donc, il y a plus nombreux, aujourd'hui même les pasteurs, même les prophétiseurs des églises. Ouais. Donc, ici, nous avons vu que non, ils ont élevé Daniel. Les gens des nations adoraient, mais les Juifs, non. C'était ça le règne des idolâtres et nous les gens des nations comme nous avons parlé dernièrement. Mais c'est lui qui a amené ça à Israël, c'était Achab, le roi Achab qui s'est marié avec Jézabel, une païenne. Genèse chapitre 6, ce qui a frappé le monde d'alors, autrefois. Lui, il a fait ça, il a amené le bien étranger et a plongé le pays dans le noir. Et Élie, les prophètes, l'esprit d'Élie ne tarde pas à frapper. Nous avons parlé de ça. Dieu peut-il changer sa manière de se manifester de ce temps actuel comme il a fait autrefois? Non. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va frapper et il frappe. Comme il a fait récolter à Israël, chaque grain qu'ils ont semé, il nous fera récolter aussi. Et Constantin, retournez là-bas, vous allez m'excuser, c'était lui qui était là, parce que je prenais l'exemple du songe, Daniel chapitre 2, vous comprenez, avant d'aller dans 7, qui parle de ces quatre royaumes. Ces quatre bêtes, ce sont des royaumes. Nous avons vu que non, après ce règne des nations qui ont commencé avec Nebuchadnezzar, ici avec Babylone, qui était comme la tête, nous avons vu le royaume de Mède et Perse, qui étaient suivis. Après eux, c'était la Grèce avec Alexandre le Grand. Et ici, nous avons Constantin qui était venu ici, le pieux, le dernier royaume. Il a pris la prééminence de tout. Il a commencé ici. Vous comprenez? Et quand il a commencé, il a mis au monde trois fils. L'un qui s'appelait Constantin, l'autre qui s'appelait Constante, et le troisième qui s'appelait Constantinople. Vous comprenez? Si vous lisez dans l'histoire, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler ici.
Et ses trois fils, ils étaient là-bas qui ont continué son royaume et ils se sont partis de l'Orient, de l'Europe, de l'Occident. Tout ça, ce sont eux qui ont élevé leur doctrine ici et toutes ces choses-là partout dans le monde. Ils les ont implantées. Et nous avons compris que non, ici, Constantin, il a dit aux chrétiens, il a promis aux chrétiens, si vous priez pour moi, je pars à la bataille, je vais aller combattre avec mes ennemis là-bas. Si vous priez pour moi que je puisse gagner cette guerre-là, je deviendrai chrétien. Et les chrétiens l'ont fait, il est allé, il a gagné la guerre, et il est revenu, il était très content, il a érigé la croix de Christ, et puis ils ont construit une église, soit un temple, nous pouvons dire, c'était l'église Sainte-Sophie. La Sainte-Sophie, l'église Sainte-Sophie que Constantin avait construit. Donc c'était ça, c'est ce que les églises font. Bon, je ne sais pas si c'est là qu'on prétend aller au ciel. Bon, je ne sais pas. Bon, toutefois, c'est quelque chose qui peut vous aider si vous demeurez. Mais si vous ne demeurez pas, ça peut vous éloigner comme nous voyons tous. Comme les gens s'éloignent. Vous comprenez? Et pour terminer, nous avons vu que non, cette règne a commencé ici et se sont mélangés l'État et les apôtres qui ont fait la compromis pour commencer cette doctrine dont nous parlons ici, qui a donné naissance à l'Antichrist et aujourd'hui à la marque de la bête qui a commencé depuis. Si vous voyez. Donc, cela a fait en sorte que non, cela a grandi et ils ont pris la prééminence du monde entier pour contrôler tout le gouvernement. C'est là que nous avons parlé d'Apocalypse chapitre 17, en prenant 12, 14, 13, en commençant au verset 8 maintenant, en allant, et puis nous allons terminer par Apocalypse chapitre 20. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Vous allez m'excuser à cause du temps que nous puissions nous arrêter ici, et puis nous allons commencer à expliquer à partir de là où, quand Constantin était mort et les trois fils se sont répandus partout, ils ont commencé leurs œuvres et jusqu'à tel point que nous nous sommes arrivés aujourd'hui et nous allons parler de toutes ces bêtes-là, les quatre bêtes-là aujourd'hui sont où et de sept royaumes, de dix diadèmes, de sept, de dix cornes, de dix cornes, nous allons parler de ça. Qui sont ces dix diadèmes et ces dix cornes? Qui sont-ils? Nous allons vous donner ça ici avec des explications claires et nettes. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre Dieu, soit avec vous. Que la guérison, la paix, les bénédictions de notre Dieu vous suivent un à un partout où vous êtes, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon dimanche.